Les bureaux de change n'ouvriront qu'en 2024 avec une marge bénéficiaire qui ne dépassera pas 3%. Le dossier des bureaux de change en Algérie alimente les médias malgré les promesses répétées. Le ministre des Finances, Laziz Fayed, avait assuré leur ouverture avant la fin de l'année en cours lors de déclarations le 11 octobre 2023. Cependant, le député Kamel Belkhader de la commission des finances de l'APN annonce que leur ouverture ne se concrétisera qu'en 2024 avec une marge de profit limitée à 3% comme précédemment déclaré par le ministre. Par ailleurs, le député explique la hausse des devises étrangères sur le marché noir par le retour marqué de l'importation de véhicules de moins de 3 ans et une demande accrue due au départ vers la Mecque pour la Omra. La réouverture de l'importation de marchandises rares a incité les opérateurs à se tourner vers le marché noir. L'approche du nouvel an a également stimulé l'achat de devises étrangères avec des taux records dont l'euro à 238 dinars à la vente et 234 dinars à l'achat et le dollar à 218 dinars à l'achat et 220 dinars à la vente.